Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Scrap Merveilleux. Voilà, donc nous sommes à la partie 8, si je ne me trompe pas. Donc à la partie 7, on a décoré la couverture, la tranche, le dos. On a collé les pages, donc voilà ce que ça donne. Hop, hop. Et hop, non, ça c'est pas collé, c'est juste que je regardais. Donc voilà. Donc ben là, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'avais envie de faire une poche comme une enveloppe, en fait, une grosse enveloppe qui faisait tout le long. Et du coup, où on pourrait mettre d'autres photos. Donc, je suis partie. Ben, en fait, j'ai des chutes de mes couvertures, des papiers des couvertures. Voilà. Donc, je vais essayer de travailler avec les chutes. Donc, j'ai ces chutes-là, en fait, qui sont trop belles. Ou alors, je fais des pochettes. Ouais, je fais des pochettes. Je sais pas. Pff, il est trop beau ce papier. Je peux mettre ça là. Et ça au-dessus. Ou l'inverse. Ça là. C'est trop dur, hein. Franchement, on n'a pas idée, hein, de faire du papier aussi beau. J'aime bien l'assortiment des deux, hein. Je trouve que ça fait super joli. Bien sûr, il faut voir qu'entre il y aura du noir, donc ça fera ressortir les papiers. Hein. On va faire des pochettes. Ouais, mais je vais faire des pochettes en les perforant comme on a fait là sur toutes les pages, comme ça rappellera en fait le thème. Du coup, j'oublie l'enveloppe et je fais des pochettes. Donc les pochettes vont faire tout le long de l'album, comme ça on pourra en rentrer plusieurs. Donc je vous rappelle qu'il fait 30 cm. Donc on va faire du 30 cm. Non, même pas, on va faire du 29,7 puisque je travaille avec du papier à 4. Donc, par contre, je vais couper là, à cet endroit-là, juste comme ça, je pourrais récupérer les étiquettes pour décorer. Donc, je viens couper. Je voudrais pas que ça fasse trop haut parce que du coup la hauteur c'est 18. Ouais, je vais couper à 10 cm. Ça, bien sûr, on ne jette pas, on le garde. Du coup, j'obtiens quand même mon joli dessin. Et pour la longueur, du coup, ça va être du 29, puisque la longueur de la couverture fait 30. Donc 30, je vais les mater en rose, donc ça fera du 29,5. Donc, mais non, même pas. Attendez. Je bug. J'ai combien exactement ma longueur là? Ouais, 29,7. Ouais, bah donc je vais garder les dimensions que je disais. Donc du coup, je vais le couper à 29. Bon, ça, je le garde quand même, celui-là. Voilà.
Pour l'autre, je vais attendre, je verrai la dimension qu'il me faut pour la deuxième pochette. Donc du coup, ma pochette va faire 10 plus 0,5 pour le papier rose, donc 10,5 plus 5 pour le papier noir, donc 11 cm. Donc je vais couper une longueur de 11 cm. Donc 12,5 du coup, pardon. Puisque je rajoute 1,5 en bas pour faire le rabat. Et là, du coup, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais venir faire sur ma longueur, donc, un pli à 1,5 cm. 1,5 cm. Voilà. Et donc, du coup, mon papier, il n'est pas assez grand pour faire les rabats sur le côté. Donc, du coup, je vais venir faire des plis sur des petits papiers. Donc, vont faire 11 cm. Donc 11 cm sur 3 cm. Donc je me cale. 3 cm et là bon ça ira, 3 cm ça fait 2,8, c'est pareil. Et là je vais venir faire un pli à 1,5 sur le chaque. Vous voyez, là, j'ai pas tout à fait les 3 cm, donc il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre, mais c'est pas grave puisqu'on va le plier, le coller sur la pochette en fait. Voilà. Moi, je prends toujours 1,5, mais on n'est pas obligé non plus. Vous pouvez prendre 1 cm si vous voulez. Donc voilà. 3 cm, 11 cm, un pli à 1,5. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là. Ensuite, on va venir marquer les plis. Là j'en ai un qui est plus petit, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Je vais marquer mon pli aussi sur le grand côté. Hop. Et donc du coup ça je vais venir le coller ici, ou si on veut on peut le coller aussi à l'extérieur, c'est comme on veut. D'ailleurs peut-être je vais le coller à l'extérieur, je sais pas. Ouais, moi je vais le coller à l'extérieur pour plus de sécurité, pour que ça tienne mieux. Mais après on colle comme on veut, il n'y a pas de, c'est vraiment comme on a envie. C'est l'autre, il est là, il se cachait. Voilà. Et là, je vais venir couper les angles avant de le coller. Ce sera plus facile. Donc là, hop. Et hop. Et donc là, je vais venir coller mon bout de papier. Donc toujours pareil, c'est comme tout, on se cale. Là, je vois que mon pli, il n'est pas assez appuyé. Hop, donc je l'aplatis bien. Hop, je me cale bien. Je tiens.
Et je colle. Et là, du coup, on a notre rabat comme si la feuille avait été assez grande. Après, si vous avez des papiers plus grands, vous gênez pas pour les utiliser, hein. Moi, c'est parce que j'ai que ça. Mais d'ailleurs, j'ai vu que sur Mille et une créations, là, le site Facebook, j'ai vu qu'ils vendaient du cardstock pas très cher, vraiment pas cher. Donc, je me dis pourquoi pas. Des fois, ça me faciliterait la vie. Et là, on fait pareil. Du coup, on obtient notre pochette complète. Je vais venir mettre le double face. Je viens couper les autres angles que j'ai pas coupé encore en bas donc. Donc là, la pochette elle est prête. Je vais venir le poncher pour faire les démarcations comme j'ai dit. Donc par contre. À 11, bon, 11 et demi puisqu'on l'avait fait à 11 sur les pages, c'est plus petit, donc du coup je le fais à 11 et demi. Donc comme d'habitude, hein, on punch, on retourne, on punch, ensuite on vient couper. Et donc on obtient notre pochette. Donc du coup, là, je vais venir la placer mais sans la coller. En fait, c'est juste pour voir par rapport au la hauteur qu'il va me falloir pour l'autre pochette. Donc du coup, je vais venir me baser au creux qu'on a fait, hein, là, à ce niveau-là. Je ne me base pas là-dessus pour la hauteur, puisque sinon il va y avoir un trou, ça va se voir. Ou au moins pour le papier déco, je vais prendre ici, pas ici. Sinon il y aura un trou noir, ça ne va pas faire joli. Donc, je me cale. Je mesure donc je vais le faire à 8 cm, donc 8 cm plus 1,5, 9,5, donc je reprends un papier. Bien sûr, j'ai pas de chute. Comme ça va être petit. Ça les fait pas. Bien sûr que non. Mais je le garde quand même, hein, ça peut servir. Donc, je coupe à 9,5 dans la longueur, toujours pareil. 9,5. Je prends le chute de papier. Est-ce que ça fait les 10 cm? Ouais, donc je vais faire 3 cm. Ça n'a pas l'air très droit, ça. Donc 3 cm et 3 cm. Donc sur 8 cm, puisqu'en fait la hauteur de ma pochette va être de 8.
puisque les 1 et demi c'est pour le rabat, donc sur 8. Hop. Ça on le garde, ça on le garde, et donc je vais venir m'attaquer au cul. Donc je viens faire un pli à 1,5 par rapport à la longueur de 29,7. Et pareil sur mes deux petits bouts de papier qui font 3 cm sur 8, je viens faire un pli à 1,5. Vous pouvez très bien plier le papier en deux, à plier. Voilà, pour des petits bouts comme ça. Surtout si vous n'avez pas la scorpale, franchement, vous n'embêtez pas à le faire plier en deux. Ça se fait très bien aussi. Donc là, on marque bien les plis. Voilà. Je vérifie quand même. Ça va. Là, je viens mettre le double face sur un côté. Mais non, même pas. Vous voyez, je l'ai plié. On n'avait pas besoin de le plier celui-là. Vous n'êtes pas obligé de le plier puisqu'on va venir le passer dessous. Ça va être collé. Ça va pas être collé. Donc du coup, c'est pas la peine de le plier en fait. Donc, je viens couper les angles. Hop. 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 C'est exactement pareil que tout à l'heure. Là. Après, vous avez la solution aussi de pas mettre de rabat sur les côtés. Mais votre pochette sera plus petite du coup. C'est comme vous voulez. Donc, je maintiens, je retourne tout en maintenant et je colle. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Donc, je me place. Je retourne. Et je colle. Et donc, deuxième pochette prête. Donc ça. Là, je viens mettre du double face sur les côtés, juste. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire les pochettes comme moi. Vous pouvez faire deux petites pochettes, hein, si vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez après. Je viens couper quand même en bas des angles pour faciliter le passage là. Sinon, ça va être plus compliqué. Voilà. Hop. Je viens le puncher. Voilà. Hop. Donc à 11,5 comme l'autre. Je retourne, je punch. 11,5. Voilà. Voilà. Là, je viens vérifier que ça passe bien. Donc voilà en fait ce que ça va donner. Je viens regarder ce que ça va me donner sur ma couverture. Si je dépasse pas et si je suis bien comme je voulais. Hop.
Donc là, ça me va. Donc du coup, je vais les décorer. Je vais aussi coller en haut là une bande de papier pastel pour relever un petit peu et du coup pour donner un peu de couleur pour pas laisser tout noir, hein, ça va pas faire joli sinon. Donc je vais couper déjà mon papier. Alors par contre, je le ferai pas rose là, je le ferai bien bleu. Ça pourrait faire sympa aussi. L'intérieur, en plus, il est vert. Vert et gris. Ouais. Est-ce que ça ressort mieux sur le bleu ou sur le rose? Non, je vais faire bleu. Donc, du coup, je vais couper du papier bleu de 10 et demi sur 9 et demi. Et l'autre, de 9, ben sur 29, 29 et 2, 29. Centimètres. Hop. 10 centimètres. Mais je vais pas changer la lame moi quoi, parce que là ça commence à... Hop. Non, j'y arrive pas. Non. Sur 10 et demi du coup. Et sur 29. Donc, on se cale. Hop. 29. Voilà. Et là, on va le poncher à 11 et demi. Non, à 11. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je sais plus où j'en étais du coup. J'ai fait quoi? Ouais, je crois que c'est celui-là. Voilà, donc j'ai coupé à 10 et demi sur 29 et demi. Voilà. Donc on va venir mater le avec du bleu. Là, normalement. Voilà. Là. Hop, c'est pareil. Là, c'est normal que je fasse descendre sur le rabat. Hein, comme je vous ai dit, je vais le glisser sous cette pochette. Donc, je vais venir le poncher. Ah oui, voilà, j'en étais restée là. Je suis désolée, mais comme il est un peu tard, du coup, ben, j'ai tout le monde qui rentre à la maison. Et du coup, il y a du passage. Donc, on avait coupé, poncher à 11 et demi. Donc, je me mets à 11, puisque j'enlève toujours 0,5. Je punch, hop. Je me remets à 11 et je punch. Je fais pareil sur l'autre. Hop. Voilà. Je viens, bien sûr, couper. En travers quand même. Ouais. Hop, je fais que des bêtises. Donc ça. Là. Ça, je l'arrangerai. Donc là, ben, je vérifie
Je sais pas si vous y voyez du coup. Ben donc je vais venir les coller. Je vais vérifier celle-là. Donc je viens les coller. Alors je mets le double face. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie aussi de coller la bande en haut de la couverture. Et je suis pas allée droite, mais ça, vous avez l'habitude. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Là, je coupe. Oh là, décidément, je vais pas très droit ce soir. Bon, après, c'est vrai que j'avoue que j'y vois pas grand-chose. Donc, c'est pas l'idéal. Non, je vais faire directement ma cipo. Ouais, ce sera plus droit. Parce que je me connais, je vais encore bouger. Voilà. Et au moins c'est net. Sauf celui-là qui ne veut pas. Mais tant pis. Il ne veut pas celui-là. Donc je vais venir ancrer bien sûr comme d'habitude. Donc j'ancre. Je m'en recule un peu pour pas salir le tapis parce qu'après ça tâche mon papier. Donc là, je fais pareil pour l'autre. L'autre, par contre, le bas, c'est pas la peine puisque ce sera caché. Vous pouvez le faire, hein, mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Là, je viens le coller. Ah, je n'ai pas mis le petit double face. Donc là, je coupe et là mais j'ai plus qu'à venir coller. J'ai vaillé, je vais me tromper, hein, donc. Alors, hop. Je viens, hop. J'essaye d'être à peu près centré. Je finis de coller.
celui-là, on appuie. Là, l'angle, je viens le couper qui dépasse. Voilà, hop. Je colle l'autre pochette. Je peux y arriver. Ça y est. Hop. Donc voilà. Les deux pochettes sont presque prêtes. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir mettre notre joli papier. Par contre, du coup, je me suis trompée dans les mesures, bien sûr. Ben, faut que je recoupe un peu. Voilà, oui, on m'a déconcentré, du coup, voilà. Donc, je vais enlever 0,5 mm. Voyons, ouais, 5 mm. Donc. Je regarde. Pas trop aussi, ça va. Non, je vais enlever un peu plus. Bon, je vais encore enlever un millimètre en longueur et en hauteur. Et un millimètre. Voyons si j'ai pas une autre lame plutôt. Cela me déchire le papier. Donc pareil. Voilà. Et l'autre, du coup, celle du bas, d'en haut, pardon. Il faut qu'elle me fasse. Donc 8,5 sur 28,5. Donc 8,5. Alors bien sûr, je prends le joli dessin là où il y a la belle écriture. Ah, j'avais pris sur combien? 28,5, non? Ouais, 28,5. Donc voilà, je vérifie bien sûr. Donc là, parfait. Donc je vais venir puncher mes papiers déco. Donc on a fait 11,5. Après on a fait 11 sur le papier bleu. Donc maintenant, je vais faire du 10,5. Puisqu'à chaque fois, j'enlève 0,5 mm. Là, bien sûr, on est coupé. En fait, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment... faut juste s'adapter aux mesures de notre projet. Mais après, c'est exactement pareil. Ah.
sauvegarde, bien sûr. Et là, je vérifie. Bon, ça ressortira un peu plus puisque je vais ancrer les côtés. Hein. Donc, je vais venir mettre mon double face. C'est rien. Voilà. Je fais pareil sur l'autre. Vous pouvez avancer, bien sûr, si c'est trop long. Hein. Avancer, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais mettre deux petits. Voilà. Je viens ancrer. Bien sûr, on peut, si on n'a pas d'encre noire, distress, on peut le faire avec un feutre noir. Ou le Posca, ce qu'on a. Moi, vous savez mon amour pour les distress, donc du coup... Bon, là, je vais faire le bas quand même. Au cas où on le verrait. Puisqu'il est plus court que l'autre, là. Que la pochette noire, mais après... oublié que moi j'insiste un peu là pour que le papier ressorte bien sur le bleu. Vous voyez, j'insiste quand même. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Et donc là, on va venir coller nos papiers déco. Ah, il ne faut pas que j'oublie avant de coller les pochettes de mettre le papier bleu. Je vais l'oublier, je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Non, on peut pas. J'ai vérifié qu'il restait plus de bout de protection quand même avant que ça se colle. Ah non, il s'est collé le papier. Et mince. Bon, ça va. Il s'était bien collé. Donc ça va. Donc voilà la pochette, ce que ça donne. Bien sûr, on fait pareil pour l'autre.
donc là, oula. Encore. Et là. Donc voilà, mes deux pochettes sont prêtes et ça donnera à peu près ça. Hop. Du coup, voilà. Donc, avant, je vais penser à coller mon papier bleu. Vous voyez, j'oublie pas parce que. Après, c'est le bazar, donc je me cale bien. Et donc, je vais faire une bande de 2 cm. Je n'ai pas là d'ailleurs. Si, regardez, c'est pas beau ça. Mais là, je vais la laisser entière en fait. Je vais enlever 0,5. Là, je vais mettre mon double face. Voilà. Je viens légèrement ancrer sur les côtés et en haut. Le bas, c'est pas la peine, ça se verra pas. Hein. C'est vraiment manière. Même là, c'est pas grave s'il n'y a pas de double face, puisque ça, ce sera en bas. Donc, du coup, c'est pas gênant. Là, non, je vais venir la coller en haut, au bord. Je suis pas droite. J'aurais dû le coller de ce côté. Ouais, tant pis. Je vais ancrer l'autre côté parce qu'il est plus droit, l'autre. Donc, du coup, on va prendre le plus droit. Hein. C'est quand même mieux. Et donc du coup là je vais venir mettre un bout de double face. Donc. Ah ouais non ça c'est celui qui est pas bien celui-là. Alors, je vais prendre celui-là. Ouais. Je vais juste le mettre au bord. Hop. Hop. Et là. Hop. Et donc là, je viens me caler. Et encore. Voilà, là. Je viens coller la grande pochette du bas. Voilà. Alors, on vient vraiment se caler au bord. Au bord, au bord. Hop. Voilà. Et là, du coup, je vais venir coller l'autre pochette comme ceci. Et là, je vais venir me coller juste à ras.
Voilà. Donc, on y va. Je vais juste couper un bout, un chouïa, la pointe. Et donc là, alors bien sûr, on peut y mettre de la colle hein, si on a vraiment du mal et qu'on a peur de pas aller droit. Donc là, hop, je colle. Et là aussi. Mais j'y arrive pas. Parce que je crois qu'il y a un léger décalage. Donc, hop, voilà, ça y est. Là, là et là. Voilà. Faut forcer un peu, bon pas trop, vous amusez pas à faire ça avec du papier qui est pas solide. Cette collection, je vous rappelle qu'elle fait quand même du 200, je sais plus combien, au moins 200 grammes hein, il me semble, si c'est pas plus même, oui 200 grammes. Donc 200 grammes plus 160 plus 160, ça va, c'est costaud. Si vous avez du papier fin, vous amusez pas à ça. Donc voilà, la pochette est terminée. Donc là, il y aura des grands tags qui feront tout le long. Et là, des plus petits tags. Voilà. Donc moi, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je ne vais pas le filmer. Donc bah, je vais le faire avec les papiers qui me restent. Donc il me reste celui-là. Et puis, c'est tout. Et celui-là, c'est la même feuille en fait. Donc voilà. Parce que celui-là, je ne le prendrai pas puisque je veux garder les dessins pour faire des tags. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette partie. Du coup, je ne sais pas si on va se retrouver pour la déco. Si vous voulez qu'on en fasse un petit peu ensemble ou pas, dites-moi-le en commentaire. Parce que je vous rappelle que même si je ne peux pas vous répondre, bah, je les lis, tous vos commentaires. D'ailleurs, je voulais remercier... je ne sais plus ton prénom, je l'ai oublié. De répondre à certains commentaires de ma part, c'est vraiment très gentil. Du coup, tu m'enlèves un poids parce que des fois, ben, je pense pas forcément après quand je filme à parler des commentaires. Et du coup, au moins, ben, tu prends le relais et je trouve que c'est super sympa. D'ailleurs, c'est hier ou avant-hier que tu t'excusais d'avoir de te permettre de répondre, mais non, non, vas-y. Volontiers, vous pouvez vous parler entre vous, il n'y a pas de souci. Surtout sachant quand les filles demandent des renseignements ou des conseils et que je ne peux pas leur répondre, ben, c'est très bien que vous preniez le relais. Et je vous en remercie. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, peut-être à demain pour la suite et la fin, j'espère, du tuto. Voilà. Très bonne soirée à tous et plein de gros bisous. Bye bye!